lui dis, cette aventure, c'est ensemble. Maintenant, ce qui est énorme, c'est qu'on va essayer de tout faire pour permettre aux gamins de pouvoir accéder, je dirais, à la secondaire, quand tu mets à vendre, quand tu tires. Et ça, il n'y a pas de prix. Et c'est pour ça que, sans vous, tout ça, ça ne pouvait pas. Je tiens à vous remercier, moi, pour tout le monde d'avoir cru en un début de Tichka. Il y en aura toujours. J'arrêterai quand Roland aura mangé tous les tagines du Maroc. De quoi? Toutes les sortes. Comment? Tu manges de tout, Roland? Je mange pas de couscous ni de semoule. C'est vrai? Ouais. Non. Non, je rigole. Vite, la merde. Là, j'étais mal. On est parti depuis ce matin 8h, il est 4h du matin, on est au port, on vient de récupérer des billets, maintenant normalement on devait avoir le bateau à 4h, je pense que 1h30 de retard, ça fait un départ à 5h30, bon voilà pour direction Tangemet. Voilà. Je m'étais. Combien de pièces de là du 4000, il me dit pour, même pas 50 balles de peluche. Il me dit non, il y en a pour 4000 dirhams. Pourquoi je vais te donner 4000 dirhams? Bon, bah après, bon, après ça empêche pas qu'il voilà. Il y a les deux autres qui sont dans le fond. On l'a vu. Non, mais vous ne bloquez le camion. Normalement, le camion le bloque. Avec ta marchandise dedans. Et tu ne bloques pas le camion. Le camion, tu veux me faire chier pour les cartes. Tu prends le camion. Non, je ne bloque pas le camion. Bon, c'est bon. Ouais, c'est fait déjà, on est resté dans le tas que la dernière fois. Feel alive.
Dallas hit the dance floor. Don't work too hard, might break a backbone. Return of the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never lack those. She saw the stone, you know how that go. Fatality, my diamonds that cold. Versace trunks, I hit my backstroke. Knock on the door, she at the back row. All I really take is a little taste. Allen girl, blue eyes with a little bass. Here for the thrill, I don't need a chaser. Wanna vibe and get away. Shimmy, shimmy, y'all got the semi-four ways. Don't step out the line like this a probate. You hit the line and try to locate. This for the time, got time for no day. War, too many, I'm going. Too crazy and I got that wasn't it ready. A good time, so now it's in the whip, we left that. Can't remember anything, but I know we got lit. L'année de 10 enfants et c'est vrai quand je suis arrivée ici, je vais pour aider ma famille de temps en temps, je fais des colis, j'achète des petites affaires pour les, même les restes des affaires de mes enfants, même j'achète aussi, j'envoie à ma famille et puis à mes voisins, tout ça. Et de fur et à mesure, les enfants, ils me voient, ils m'ont vu faire ça tout le temps. Mais mes enfants, quand il y a quelque chose, ça leur plaît pas ou ça leur va pas, ah, tu laisses pour le Maroc, maman. Tu donnes ça au Maroc, tu envoies aux enfants du Maroc. Et ça a été comme ça depuis longtemps, ça fait 50 ans que je vis en France. Et ça a été toujours comme ça, tous les ans, quand j'ai un peu de sous-côté, je pense aux autres, et c'est comme ça, mes enfants, ils font la même chose. Surtout mon fils, il a un grand cœur, même les autres aussi, mais lui, il est très sensible plus que les autres, envers les gens, qui aident, que ce soit au Maroc, en France, n'importe, il est toujours à tendre la main aux autres, que ce soit physiquement, matériellement, n'importe. On est élevé comme ça tous, de génération en génération, ça vient ça. Et c'est un plaisir de faire plaisir aux autres. Et puis voilà, on a grandi comme ça tous, et puis voilà, j'espère que ça va continuer dans la génération à venir. D'accord. Daniel, juste présenter Jamel, alias Jimmy. Voilà. C'est son surnom. Il veut qu'on l'appelle comme ça. Notre chauffeur de notre périple, voilà, que je vais vous présenter, voilà, qui est son prénom de Jamel, mais on le surnomme Jimmy. Voilà. C'est son. Voilà. Jimmy. Il a passé toute la semaine et tu vas nous supporter toute la semaine. Voilà. Oui, ça en fait plaisir. Voilà. Le programme là, c'est on met les valises, on bascule les valises qui appartiennent qu'on a dans la caravane. Le bus, on va direction l'hôtel, on met tout spatule. Patient, la main découvre avec un peu une petite appréhension. Ça me rappelle les préparations de rugby, tu vois. J'ai la poule au ventre. Ouais, mais c'est bien, c'est bon. Je suis venu pour ça. Let's go.
Alors la première étape, eh bien, c'est moi j'avais pas trop roulé, pour ainsi dire, très peu, j'avais à peu près 200 km, donc c'est très peu. Je suis pas cycliste pour dessous, donc je m'étais préparé psychologiquement, mais après la psychologie c'est quelque chose et le physique c'est autre chose. Donc la première étape, il y avait 90 km à faire, je savais pas trop où j'allais, donc je me suis mis dans les roues, j'étais en queue de peloton, comme ça va se passer sur tous les autres jours, mais j'ai pris quand même du plaisir. Ça fait mal au cul. Des fois, c'est douloureux dans les jambes, mais voilà. La première étape, ça allait. C'est la seconde qui était un peu plus dure. La deuxième étape, on a attaqué les choses magnifiques parce qu'on a attaqué un peu la campagne et les montagnes. Alors pour moi, étape un peu particulière parce que le matin, on est parti à la fraîche, pas trop de vent, paysage magnifique, un beau col, très très beau col. Et voilà, et après la deuxième partie, plus irrégulière, plus difficile et un peu plus difficile pour moi à titre perso, après avoir pris une mauvaise nouvelle le midi qui m'avait quand même pas mal déstabilisé, et c'est là que j'ai vu la valeur du groupe qui m'a porté à bout de bras, qui m'a aidé un peu à repartir. Et en fait, cette aventure-là permet d'atténuer pas mal de choses. Donc voilà, très belle étape, magnifique, voilà, un petit peu particulière pour moi. Allez, puissant docteur. Allez, à ça doit, Louis. T'inquiète. Allez, mon pauvre. Fais un peu, fais chaud. Thank you.
Claude. Sera moi et Claude. Voilà. Ah bon, voilà, c'est au pif. Hein, c'est... Et la location s'est passée. Hein, ouais. Ah, t'as malin. Eh, voilà, je me le dis parce que j'ai vu, j'ai bon, ouais, j'ai bon, faut que je ramène Lolo. Je grince des dents, Claude, et toi, je parle la nuit. C'est bon. Et si c'est jumelé, tourne-toi parce qu'il met des poids aussi. J'ai testé pour vous, ça a mal. Le reste, c'est que des chambres triples. On va prendre position des. Trois enfants, c'est ma fierté, c'est ma raison de vivre. Lui, il me fait encore plus de choses que moi, j'ai souhaité de faire, que je ne peux pas. Je suis fatiguée, je suis âgée, mais lui, il a beaucoup de force. C'est ma fierté, c'est vraiment la fierté de toute la famille. Hein. Lui, il nous guide et il est toujours en train de penser aux autres. Il pense que toujours aux autres. Plus que lui, plus que tout le monde, tous, c'est toujours en train d'aider, toujours en train de chercher à aider si quelqu'un a besoin, quoi que ce soit. Même par lui, ce qu'il me fait, que j'admire aussi, que j'ai beaucoup de respect pour les peuples aussi. C'est une chose qu'il a toujours voulu faire. Même étant jeune, il a toujours aidé une personne âgée à côté, il prend son sac pour aller jusqu'à chez elle, ou n'importe quand quelqu'un est blessé. Il n'y a pas que les humains, mais les chiens, mais les bêtes aussi, il adore les bêtes aussi. Et donc voilà, il a un corps très, très, très sensible, un gros peu, mais très sensible aussi. Et puis voilà. Et puis arriver à vous voir, à vous connaître, c'est grâce à lui et grâce à ce qu'il fait. Et je suis fière de lui. J'espère qu'il continuera. Hey Renaud, t'es chaud ou quoi? Chaud, peut-être. T'as peur, non? Chaud, pas de peur. Le vélo est chargé, c'est bon. Toujours inquiet, jamais peur. Allez. Je crois qu'il y a 15 km à 4,5%. Ouais. Apparemment, les 10 derniers sont à 8. C'est ce que j'ai compris. Je pas devant la caméra, mais il paraît que Marie donc a eu le maillot pour deux pertes de clés et Jalil hier soir a demandé un double de clés parce qu'il a perdu les selles. Mais j'en dirai pas. Je peux pas m'asseoir. Ouais, mais c'est top sur le point kilométrique, c'est pas les plus longues, c'est sûr. On a quoi, 80, même pas 5 km. Par contre, on a plus de 2000 de dénivelé, mais un vent qui nous a vraiment fait du mal. Voilà, bah, toi, c'est l'étape proud d'Halloween avec une escale de 100 km à Villa de India, où on fera un pont logistique en rangeant les vélos parce qu'on a les 100 prochains kilomètres, pas de route. Une équipe logistique au top, voilà, qui a pu nous permettre de surmonter les premières montagnes, moyenne ou Atlas. Voilà, arrivé à Mgern, maintenant on va reconditionner les vélos et se diriger tous en bus jusqu'à la logistique direction à la route. Les sourires qu'ils ont, c'est phénoménal. Ils font même des bises à des gens qu'ils ne connaissaient pas. C'est extraordinaire. Les gens qui nous ont reçus aussi, ils ont rien, mais ils donnent plus que ce qu'ils n'ont pas. Quoi. Enfin, ils n'ont pas, mais ils nous donnent quand même.
on est reçus comme, comme des rois, quoi. Ça concilie un peu les valeurs qui nous portent, c'est-à-dire celle du sport et puis du partage, donc c'était exactement ça. Puis quand j'ai appris ce que Jal faisait avec Nadia, avec sa maman depuis des années, sur ses propres deniers, apporter, rendre tout ce qu'on lui a donné en France et que le rugby lui a apporté, ben, je crois que si nous on peut apporter notre petite pierre à l'édifice en finançant un petit peu ce projet pour qu'il s'équilibre, ben, ça a été de suite banco. Hein. C'était vraiment des belles aventures. Et puis l'an dernier est venu trouver la beauté de la chose. Hein. Avec l'état d'esprit, moi j'ai un seul objectif, c'est pas monter dans le camion, quoi, c'est-à-dire finir l'aventure à coup de pédale et pas. Voilà, donc à moins qu'il m'arrive un gros pépin, accident ou autre, je ferai l'effort en tous les cas de finir cette aventure, c'est sûr. Les gamins pour qui on le fait et déjà le groupe mérite les efforts qu'on fait, il n'y a pas de souci. Ok, ben nickel. Merci mon Kitou. Merci Lolo. Ça vient qu'ils aient de l'eau fraîche à l'hôtel. J'avais tellement envie de participer avec toutes ces personnes que ben, même si on est fatigué, même s'il fait chaud, même si c'est compliqué, ben, on se dit qu'il faut le faire, il faut aller au bout, il faut. Voilà, je marche très peu et là, ben, oui, je me suis dit. Voilà, tu le feras qu'une fois, peut-être. Eh bien, il faut le faire et tu le fais jusqu'au bout. Tu le fais jusqu'au bout et les gens qui sont avec toi te poussent, te motivent, te disent que tu peux le faire. Et même mes parents, ils me disent que je peux le faire. Donc, ben, je l'ai fait. Je l'ai fait, mais sans eux, j'aurais jamais fait tout ça.
C'est vrai quand t'es puissant. Ouais. Après je sais que Yann est dans la rue, dans sa houche. Bon mais il faut juste le chasser. Il faut le chasser goupille là, puis il dérive le chêne. Ça va être encore un moment fort avec les gens du village, nos femmes et plein de choses encore. Voilà. Mais voilà, je lève le verre à tous et merci au revoir à tous. Merci. Personne et je remercie notre ami Loïc qui s'est sacrifié pour un peu la plus. Du coup, on arrive à la fin de l'aventure. Ouais. On va retourner. C'est particulier, c'est. Ouais, on tourne une page. Une page particulière, mais finalement, je sais même pas. Je sais même pas, en fait, si j'ai envie de la tourner. Parce que c'était tellement particulier que. Ben, moi, je peux le dire, j'ai pas envie de rentrer, j'ai pas envie de quitter toutes ces personnes avec qui j'ai vécu tout ça. Et du coup, c'est un petit peu compliqué, c'est. Émouvant et c'est un peu triste à la fois. I was waiting in the undertow, set adrift with featherweight light bulbs, unaware of where my heart. Waiting in the undertow. Can't touch the bottom. Sit into a tumble. Waves that shake me out of my skin. Never been so easy. Losing my direction. My bearings have me south of home. I've been wrong before. I was waiting in the undertow. Set adrift with featherweight light bulbs. Unaware of where my heart. Waiting in the undertow. In the water fields, like a friend I've not seen in years. So familiar and strange at once. Like a lover who lost her touch. At first I was hesitant. Now it seems oh so curious. How'd I wind up so far from home? When I barely had left the shore. I was waiting in the undertow. Set adrift with featherweight light bulbs. Unaware of where my heart would flow. I was waiting in the undertow.
was dreaming of a love I love. I fell asleep within an autumn flow. I never knew I'd drift so far from home. While I was waiting in the undertow, undertow. Du coup, on a vu Ginny se dépasser. C'est pire que ça. Jamais. Les efforts. Jamais elle aurait été. Ce qu'elle a fait en 10 jours, elle l'a pas fait en 37 ans de sa vie. C'est. Tous les jours, elle me disait c'est moi. Je crois que je rêve, quoi. Et nous, de voir notre fille faire tout ce qu'elle a fait, tout ce que. Vous avez fait pour elle, parce que vous bon, savez, même nous, presque préoccupés par un 10 jours, c'est tout le temps un peu Lulu, en fait, tout le monde, quoi. Tout le monde. Et Valérie, encore aujourd'hui, où l'a tout pris, il l'a poussé. Et tous les soirs, elle me disait, maman, je veux pas rentrer. Elle m'a dit, c'est trop beau ce que je suis en train de vivre, quoi. Rien que pour elle, moi, on est super heureux, quoi. Super heureux. Et tous, vous avez été. Tout ça adorable avec elle. C'est trop beau, c'est trop bien, c'est trop beau. C'est trop beau. C'est notre famille. C'est. C'est notre famille maintenant. C'est magique, c'est magnifique. Du coup, un petit mot pour Jenny. S'il n'avait pas été là, il n'aurait pas fait tout ça. En plus, Jenny a une admiration. Pour lui. Et sans lui, ben, on n'aurait pas fait, ni nous, ni elle, elle n'aurait pas fait ça. Et avec vous, bien évidemment. Avec. C'est super. C'était déjà un bon joueur de rugby, mais je crois que. Le mec là, il n'a que. L'homme est encore bien meilleur. Il est meilleur.
Je tenais à remercier tous les partenaires, tous les sponsors, tous les participants d'avoir cru à ce projet Azimutishka. Grâce à vous, tout ça a pu aboutir. Merci encore. Je vous dis à très vite. À bientôt.